De retour d'une mission gouvernementale en Chine à laquelle j'ai eu la chance de participer, je voudrais partager quelques intuitions concernant ce que j'ai pu observer en Chine. Ce sont bien sûr des intuitions parce que je n'ai pas une connaissance approfondie de la langue ou de la culture de ce pays. La première chose, c'est que manifestement la Chine, et on le sait, est entrée de plein pied dans le capitalisme, mais ce n'est pas un capitalisme traditionnel, ce n'est pas un capitalisme anglo-saxon, c'est plutôt ce qu'on a appelé en 78-79 un socialisme de marché, c'est-à-dire un mélange d'efficacité économique et d'autoritarisme politique. Mais l'autre fait marquant, c'est en fait la digitalisation de l'économie chinoise. Manifestement, la Chine a, de manière volontaire et étatique, poussé les feux dans une relation plus directe de l'individu à la digitalisation. Et ça se traduit par le fait que les sites commerciaux, les moteurs de recherche et les relations bancaires, plutôt que d'être dissociés, comme nous le constatons en Europe, sont en fait unifiés par des plateformes communes. Donc ça permet à un individu chinois à la fois de faire des recherches, de transférer de l'argent, d'en recevoir, de mettre en œuvre des actes de commerce, comme réserver un hôtel ou commander des biens, et tout ça dans une relation qui est unifiée par ces plateformes qui sont liées à Alibaba ou à d'autres sites de recherche. Alibaba étant en fait l'Amazon chinois. Ce modèle, qui est un modèle d'unification digitale, doit être examiné longuement et attentivement parce qu'il correspond sans doute et même probablement au modèle qui progressivement va s'imposer en Europe. Et l'autre chose qui est liée au modèle chinois, c'est que c'est un modèle qui est essentiellement domestique, alors qu'en Europe, nous sommes dépendants de sites de recherche, de plateformes qui sont pour la plupart étrangères. Donc cette domestication de la relation digitale est quelque chose qui pourrait s'imposer dans nos sociétés, au prix, c'est vrai, d'une certaine perte de liberté en matière de gestion de la vie privée, mais la relation qu'ont les Chinois à l'autorité est différente de chez nous. Dans la logique confucéenne, l'individu est subordonné à la famille et au groupe, et donc n'a pas la même relation, on va dire, individuelle à l'État ou individualiste à l'État qu'on aurait pu imaginer en Europe.